Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 39e épisode de Stardew Valley, car j'ai regardé à combien j'en étais, vous voyez, avant de continuer mon record. Bon, en vrai, bon, comment on va se la jouer? Tout simplement, bah déjà, on veut assez de fer pour pouvoir améliorer la pioche, déjà. Première chose. Ensuite, il faut qu'on aille récupérer chez Clint. Donc là, c'est bon, il nous manque encore deux fois. On est le 27, ça pousse en 4 jours, donc je crois qu'on n'aura pas le temps de replanter du blé, donc on va se contenter de 1, 2, 3. On va se contenter de ce que l'on a. On va y arriver un jour. Ah, dommage, le maïs, on n'aura pas le temps de récolter beaucoup sur ceux que j'avais mis là. Hop. Mais ça va nous faire de l'oseille. Donc on dit oui. Tac, 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 tac. Ah, là, il y en a un qui est... Hop. Hop. Hop, hop, on met tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on se la joue? Est-ce qu'on va dans la mine? Encore, et j'améliore la pioche plus tard. Ah, je sais pas trop. J'hésite. J'hésite, 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 j'hésite. Bon, on va pas hésiter pendant 300 ans. Et on va aller à la mine. Parce que, clairement, on en a besoin. Parce qu'il faut qu'on fasse la quête, hein, tout simplement. Donc on est au dernier niveau de la mine. Donc on va pas se... Voilà, on va pas s'enquiquiner pendant 10 ans. On va y aller. Ah! Allez, une petite caresse à Alma. Non, que Nini, c'est pas ça que je veux. Pardon, poulette! Hop, hop. Voilà, donc ça c'est parti. On va aller voir notre petite vache. Et bah on a assez de gold pour faire le poulailler de luxe et tout, donc je sais pas trop, on va voir. Ce qui est dommage c'est qu'il va falloir détruire, donc je sais pas trop comment ça se passe. Elle est encore considérée comme un enfant? Ouais. Pas un enfant. Vous m'auriez bien compris quoi, un bébé d'animaux quoi. Je vous jure, il y a que moi pour dire des trucs pareils. Alors, hop, on est bon. Hop, petite omelette. Non, avant, on va vendre les œufs qui sont étoilés. Sinon, il va me sélectionner les œufs étoilés en premier et on va pas les vendre. Hop, donc ça, c'est good. Ouais, je vais aller à la mine parce qu'après, on pourra pas y aller pendant 2 jours d'affilée. Et j'ai envie d'avancer sur la mine. Donc, on va aller à la mine. Et on verra le reste plus tard. Tac. Et voilà, on a les 5 pour améliorer la pioche. On est bon. Allez, c'est parti, on va à la mine. Et comme ça, on va pouvoir tester notre batte. Ah, c'est même pas un spectre de plomb. Ouais, ah, c'est une masse. C'est pas une batte. Bon, ça ressemble plus à une batte de baseball, par exemple, qu'à une masse. Mais bon, pourquoi pas. Alors c'est parti, donc il est 9h30, ou je sais pas si on va réussir à descendre de 5 niveaux, mais on va essayer d'y retourner quand même. J'ai envie d'aller dans la mine et de voir ce que ça donne. Allez. Tac, 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 hello, passe par là, passe par tout, univers. Déjà, si on a des meilleures armes, on peut mieux affronter les mobs. Donc déjà, ça c'est important, je trouve. Allez, niveau 65, c'est parti. Ah ouais, c'est efficace ce truc. Oh, trop bien. Oh, je trouve ça pas mal. Ah ouais. Ça me fait délirer, pardon, mais là vraiment, j'adore ce truc. C'est totalement farfelu, mais j'adore. Alors. Du coup, ça fait qu'on va pouvoir aussi s'occuper de notre poulailler. D'avoir la version deluxe. Ouais, on va améliorer la pioche en acier. Hop. Mais il faut qu'on descende dans la mine parce qu'il faut d'autres choses. De l'or. Des montagnes d'or. J'ai trop regardé Pocahontas. Pardon. J'y peux rien. J'ai été bercée par les Disney.
ça. Hop, allez, on y va. S'il vous plaît, je veux une sortie. Allez. Yes! Oh, il y a du people là-dedans. Yes! Allez! En deux coups, il n'y en a plus! Oh! Ah! Fruit cristallin, il m'en faut un! Oh, nice! C'est bon, ça! Yes! Alors, il y a du fer. C'est quoi ce truc bleuté? Ça doit être du topaze. Ah, même pas, c'est du cuivre. Alors, ça, c'est quoi? Egg marine. Alors, est-ce qu'ils vont m'ouvrir une sortie? Ça fait pas mal de dégâts, hein. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, du fer. Ah, une caisse. On va aller l'ouvrir. Minerai de fer. On prend. Même si là, concrètement, du fer, je m'en balance un peu. Vu que j'ai ce qu'il faut pour... Alors, on n'a toujours pas de sortie. On a entendu une chauve-souris. Donc ça fait que il faut qu'on trouve la sortie pour aller au niveau 67. Batman va venir me voir. Ah, ça va beaucoup plus vite avec la batte. Ah ouais, c'est fou. Si on l'utilise au bon moment, on est bon. Hop. Alors. Oh punaise. Ça va être infâme de trouver la sortie, je crois, là. Il y en a beaucoup de cailloux. Bon, en même temps, je me fais des caillasses. On va en avoir besoin. Il va falloir pas mal de bois. Donc là, par contre, le bois, il va falloir dératiser, déforester, pardon, tout ça, quoi. Dératiser, ça n'a rien à voir. Ah, je vous jure des fous. Mon cerveau. Oh, on n'arrivera jamais à descendre super bol. Hein. C'est impossible. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien voir le niveau 70, quoi. Qu'on avance dans cette fichue mine. Yes! Oh, il y a des petits copains. Les copains, je ne vous oublierai jamais. Un coup, il est mort! Oh la vache. Alors, on est Terminator des bestiaux, là. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Ah, un slime. Voilà, les slimes, j'ai encore un peu de mal avec la batte, mais on va s'y habituer. On va mieux gérer après. Ouais, il y a encore pas mal de caillasses à casser. Allez, s'il vous plaît, je veux le 70 avant d'aller amener ma pioche. Oh, l'ambiance. L'ambiance devient chelou, là. Encore une chauve-souris. Ah, mais laissez-moi tranquille. Ah bah, deux. Ah bah, d'accord. Trois. Ouh. Yes. Encore une. C'est pas vrai? Ouais, on perd moins de temps avec les mobs. Donc, c'est plutôt bien. Par contre, je veux la sortie. 17h50. Je crois qu'on va pas avoir le temps d'arroser aujourd'hui. Allez. Non. Batman me donne pas la sortie.
Donc faut casser tout ça. Hop. Oui. Oui. Ouais, comme ça la deuxième journée de l'épisode, on va aller déposer. Ah yes. Allez, s'il vous plaît, filez-moi la sortie vite fait. J'ai entendu Batman, mais pour l'instant je le vois pas. Là je le vois. Allez, viens. Encore un. Ah, des chauves-souris, je vais en avoir plein des ailes, hein. Encore? Oh, mais allez! Allez, s'il vous plaît. On veut le 70e niveau! On exige! Je viens cinglé, pardon. Je sais même pas combien il y a de niveaux dans cette mine. C'est ça le pire. Hop! Allez. Yes! Bon, je descends, vous savez quoi? 69. Alors. Coucou les copains! Salut! Enchanté! Moi c'est Lo! Je veux le niveau 70! J'ai le niveau 70! Et je prends le niveau 70! Je deviens folle. Lance-pierre d'expert. Alors ça, le lance-pierre, j'ai trouvé ça nul. Voilà, on va dire ça poliment. Voilà, on est au niveau 70. On a réussi. Allez, c'est parti. On rentre à baraque. Ah, oh, on a réussi. Alors, la prochaine journée, on va s'occuper de nos petits champs. On va tout simplement aller voir Clint pour récupérer notre hache. Donc toi, on va pouvoir déblayer un peu notre terrain pour se faire un petit peu de bois avant de faire le poulailler de luxe. Par contre, au niveau de mes poulettes, je sais pas comment ça va se passer. Ouais, je sais pas du tout. Bon, écoutez, on verra. Hein. Mais je suis ravie. Ouais, non, je vais pas faire que le fer, on s'en fiche. On n'a pas besoin là. Ça. Parchemin de nain 2. Oh, je sais pas si je l'ai déjà donné celui-là. Je sais plus. Du slime. Non, je vais le garder. Le lance-pierre. Dans ce coffre. Ah, la schtroumpf. Et ça, c'est pour le centre communal. Eh bah, c'est parti. Hein, on va pioncer. On n'arrosera pas aujourd'hui. On s'en fiche. Pas très grave. Réveillon des esprits a commencé au centre-ville. Ah, c'est là? Ah, bah, on y va. Je pensais pas que c'était là. Je pensais que ce serait la prochaine journée. J'avais zappé. Bon, allez, hop, on va au centre-ville, on va aller voir ça. On va participer à la vie communale, hein. C'est important. Salut tout le monde! Tiens, on va parler avec lui. Ne t'approche pas trop de la cage. On va parler à Lewis. Bonsoir Hello. Tu ne t'es pas encore aventuré dans le labyrinthe hanté. Il donne la chair de poule. L'homme étrange qui vit dans la tour a tout préparé lui-même. Il ne laissait personne s'approcher pendant qu'il travaillait. Ok. Tu me dis rien de plus? J'ai rien à faire là. Bon. C'est très amusant de cuisiner la citrouille. Un fruit très intéressant. Ok, bon, on va parler avec tout le monde, hein. Eh bien, salutations Hello, il fait froid, n'est-ce pas? Ouais, un petit peu. Ça va, quoi, c'est l'automne. Y'a pire. Je viendrai à tous les événements avec les buffets gratuits, par contre. Pour le labyrinthe hanté, oublie-moi. Vincent est contrarié que je ne le laisse pas entrer dans le labyrinthe, mais ce n'est qu'un petit garçon. Ouais, tu m'étonnes. Je suis assez peureuse, je vais laisser le labyrinthe hanté au plus jeune.
Salut, des cholets. J'ai la bouche pleine de mûres. Et pas mal celle-là. Tu aimes ces citrouilles sculptées? Je les ai taillées moi-même. Ouais, c'est sympa, beau travail. Maman veut pas me laisser aller dans le labyrinthe. Et il sanglote, ok. Oh, mais t'es trop petit pour ça, vous. Une de mes masses en iridium ferait une bouchée de ces choses. Bon, l'hiver est presque là, c'est le moment idéal pour stocker du bois et de la pierre. Ok, avec Dimitrius. Je n'ai pas vu ma rue depuis des heures, j'espère qu'elle va bien. Mais il y a quelque chose d'autre à faire ou... C'était juste pour la musique et puis voir les gens, voilà quoi, Osef. Je suis méchante, hein. Bon bah bye bye, hein. Je vois pas quoi faire de plus. Hein. Chop. Bon, c'est du gadget tout ça. Et les... Ah, j'ai trop peur. Oh. Ah d'accord, c'est ça le labyrinthe. Oh, je comprends mieux de quoi il parlait du coup maintenant. Alors, tac, tac, tac. La vapeur qui vient de ce chaudron, j'en ai la tête qui tourne, mais je n'arrive pas à me décider à partir. Alors, on a une récompense si on trouve la sortie? Comment ça se passe? Salut Alex. Alors. Ouais, j'avoue. Ah ouais, il y a un panneau qui est en point d'interrogation. Tiens, on va aller voir. C'est plus facile quand on voit des hauts, hein, parce que franchement. Bon, je clique et ça fait rien, donc il n'y a rien de particulier. Ouah, c'est sympa pour un petit Halloween. What? J'ai passé à travers le truc. Y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Léger. Hop, allez, on va sortir de là. Bon. On se taillot. On se taillot, messire, j'ai envie de vous dire. Hop, on va rentrer chez baraque, on va aller dormir. Pour attaquer la deuxième journée. Bye bye tout le monde. N'ayez pas trop peur, ne faites pas trop de cauchemars. Oui. Allez, on va pioncer. On va rejoindre notre toutou dans les bras de Morphée. Yes. Alors, choisissez une profession. Ah bah moi je préfère ça. On sent pour aller voir plus clean pour ouvrir des géodes. Vingt-huitième jour, c'est parti. Alors, on y go. Ah, on a pas mal de d'oseille, c'est bien ça. Bon, direct d'emblée, je vais arroser, donc petite ellipse. Alors, on se retrouve donc, bah, j'ai arrosé, on va aller voir nos petits animaux, et puis ensuite, bah, on va aller voir Clint, hein, on va aller récupérer notre hache, et comme ça, on va pouvoir un peu ramasser ce qu'il faut pour pouvoir avoir notre poulailler 2.0, la version 2, quoi. La version 2.0. Tac. Hop, alors, une petite caresse, une petite chatouille, par-ci par-là. Non, je ne veux pas. Mais non, bon sang! Ah, mais de toute façon, j'ai pas besoin de mettre de foin, il y en a encore. Comment ça se fait qu'il y ait encore du foin? Elles ont pas mangé? Vous faites la gueule? Comment ça se passe? Mais ils ont pas mangé les bestiaux. Bizarre. Alors, on va voir là-dedans s'il y a des fruits. Yes. Non, je veux pas manger. Je veux ramasser ça. Merci. Non. Décidément, il a décidé de m'enquiquiner. On va pas se mentir. Bon,
Alors. Ouais, il va nous falloir du bois, de la pierre. Ça, je prends, ça, je prends. On va passer au centre communal en passant. Là, non, je ne veux pas manger l'œuf. Je vais ouvrir ça pour mettre ça à vendre. Hé, on a eu un gros œuf! Oh, trop bien! Pour le centre communal, j'en avais besoin. Oh, bah, go, allez. Attendez. J'ai le fer, j'ai la pioche, c'est bon. Et la meuf tellement pressée qu'elle oublie la moitié des trucs. Ça serait totalement moi, ça. Alors. Ouais, j'ai pas envie d'acheter des trucs parce que je suis sûre qu'on est quasi à la fin de la saison. On va passer au centre communal. Oh, je suis trop contente d'avoir l'œuf. C'est trop bien. Hop, je m'étais un peu trop éloignée. Salut, là-dedans, la compagnie. Donc là, il me manque du panais ou des melons. Là, ce sera tous les trucs d'hiver. Yes. Ah là 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 là, c'est trop bien. Alors, par contre, tout ce qui est... C'est où? Ah, la racine hivernale, je vais pouvoir les vendre. Donc il faut du crocus et des ignames des neiges. Ok. Bon allez, on sort de là, on va aller voir Robin. Voir si on peut la lancer sur notre projet, voir ce qui nous manque comme ressources. Parce que je croyais que c'était 500, mais je veux checker. Et après on ira voir Clint. Hop. On va parler un peu à Dimitrius. Il est préférable de prendre une pause au travail de temps en temps. Tu m'étonnes. Quoique, je suppose que ce n'est pas une chose facile quand on travaille dans une ferme. Et au moins, en hiver, tu n'as pas à t'occuper des plantations. Bah, si, quand même. Il y a des trucs en hiver, quoi. Hey, tu te balades. Ouais, si on veut. Construire des bâtiments, madame. Caisse d'export. De bois, donc c'est le bois qui me manque. C'est bien ce que je me disais. Donc il va falloir farm du bois. Et sévèrement, quand même, là. Alors, on va aller voir Monsieur Clint pour récupérer notre hachounette. Hop, 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 là. Une petite balade de santé, là. On fait notre petit footing, vous voyez. Un petit footing de famille. Hop, 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 hop. Passe là, passe là, passe là, passe là, passe là. Allez, monsieur Clint. Eh, on avance bien, n'empêche. Yes! Trop bien. Ouais, je suis ravie pour pas grand-chose, je sais. Améliorer outils. Et bah voilà. Donc, il nous faut 2000 gold. Et 400 de bois. Bon. Parti, hein. C'est parti, c'est parti. On va passer par la plage. On est à côté. Ça, on aura peut-être d'autres choses à vendre. On va tester notre hache après. Oh là là, c'est trop bien ça. Eh, on progresse, hein. Moi, j'aime bien quand on progresse comme ça. C'est bien ça. Alors. Ouais, il y a des petits trucs à droite, à gauche. Donc, je dis que c'est good. On n'est pas venu là pour rien. Ah, et un corail. Alors, hop, c'est parti. On rentre à la maison. Et on va aller se casser du bois. On voit que c'est pas mal, hein. Je vous le dis. Parce que franchement, il va nous en falloir pour faire la grange. Si j'avais su, j'aurais lu tout ça avant mieux. J'aurais fait directement la grande. Mais bon, écoutez. Que voulez-vous quand on n'a qu'un demi-cerveau comme Hello, voilà quoi. C'est compliqué.
La meuf qui se talk toute seule, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a rien ici à ramasser. On va mettre ça à vendre. Hein. Puis on va voir la suite des opérations. Donc ça, je peux vendre, 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 ça. L'œuf aussi, on s'en balance en vrai. Et je peux vendre la deuxième. Tac, 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 tac. Ah, est-ce que j'ai des trucs à ramasser là ou pas? Non, il n'y a rien à ramasser. Allez, coco! Ah ouais, ça nous donne masse bois massif ce truc! Nice! Donc là, la prochaine fois qu'on améliore la hache, on va pouvoir casser tout ça. La pioche, pardon, quand on va la récupérer. Oh là là, mais je vous jure, je perds mes mots, mais c'est. C'est affreux, hein, des fois, d'être comme ça. Hein. Je vous jure, hein. C'est problématique. Là là, c'est trop bien. Oh, je suis ravie. Elle est un peu plus efficace. On déblaye de plus en plus le terrain. C'est pas mal. Par contre, l'énergie, elle descend bien aussi. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir les 2000 de gold? Bah, on verra ça la prochaine fois, je pense. Parce que là, bah, on déblaye et après, bah, on va s'arrêter là. Hein. On est à la deuxième journée. Ouais, on n'a pas le choix. Bah, si, on pourrait faire plus, mais j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. Déjà, qui font 20, entre 20 et 30 minutes, c'est déjà bien, je pense. C'est suffisamment long. Alors, où est-ce que j'en suis? Attendez. Ah, bon, on en a assez. Oh, bah, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien. Je suis ravie. Ça va, parce qu'en fait, il y a plein d'autres pousses d'arbres. Donc, ça veut dire qu'on a quand même du bois assez en conséquence. On va dire. Hop, on va le casser comme ça j'espère qu'il va tomber. Ouais, bien. Il tombe comme je voulais. C'est parfait. Bon, ouais, on va faire le poulailler de luxe, comme ça on va essayer d'avoir d'autres animaux. J'ai de la place ici pour le mettre, du coup, pour un peu éloigner les trucs. Oula. Bah désolé, si vous entendez le petit chien-chien qui aboie. Tac. J'ai envie de casser encore quelques arbres, donc on va se prendre un peu de bouffe. On va pas aller se coucher à 18h. Ça serait un peu bizarre. N'est-ce pas? À moins d'être vraiment malade. Bon, à 18h, à te coucher, ça paraît un peu bizarre. Alors, ouais, on va casser ça. Ah, c'est bien, on a des petits glands, on a besoin de faire des casse-croûtes. Bon, normalement, on devrait plus avoir trop besoin de faire des casse-croûtes maintenant. Avec les œufs, on est plutôt bien. C'est vrai que ce truc-là, c'est en ruine, mais on peut pas le démonter, on peut pas en faire quelque chose, on peut pas le réparer, je sais pas. Enfin, moi, ça m'intrigue ce truc. Depuis le temps. Hop! On a ce qu'il faut. Donc, il manque juste 2000 gold. Donc, on va voir avec ce qu'on a mis à vendre ce jour-là. Si on a assez, on pourra lancer la construction du grand poulailler. Oui, on fait dodo. Verdict. On est loin des 2000.
Ouais, on y manque encore de l'argent. Bon, on va cesser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde!